Alors, j'espère que vous allez bien d'abord, que vous passez de bonnes vacances, que vous avez plein de soleil. Moi, je vais bien, il y a plein de soleil et voilà. Donc, je vous avais montré l'échange que j'avais fait avec Mickey, en fait. C'était un échange qui était organisé pour un défi de l'été. Et donc, Mickey était sur le forum en fait en live et du coup on s'est dit allez hop on fait ensemble voilà donc je vous ai montré moi ce que j'ai envoyé à Mickey donc je viens de recevoir mon mari vient d'aller le chercher donc je ne l'ai pas ouvert du tout donc on va regarder ensemble donc je vous rappelle c'était sur le thème en fait où on partait en vacances donc moi comme je partais pas en vacances j'avais envoyé sur le restaurant. Et fallait envoyer quelque chose de la région en fait et une gourmandise. Voilà. Donc je vous bascule et puis on le regarde ensemble et on regarde la surprise ensemble. Alors voilà, il est lourd, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd. Voilà. Alors on va l'ouvrir. Je ne sais pas de quel côté il s'ouvre. Alors, Mickey, t'es comme moi, si tu regardes la vidéo, tu mets du scotch partout. Moi, je suis pareil. Donc, je vais pas faire ça avec un ciseau. Je vais prendre mon cutter. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, ça serait bien que je l'ouvre à l'endroit. Hop. C'est bien collé, hein. Alors, je ne sais pas comment on l'ouvre. Vraiment quiche, comment ça s'ouvre ce truc? Je vais mettre plus de temps à l'ouvrir. Ah, ça y est. Voilà. Hop. Alors, je sors comment? Non, mais il faut que je retire le dessus parce que sinon je vais faire des bêtises, évidemment. Non, ça se retire pas comme ça. Oh là là, Mickey, tu m'as fait une. Ah, voilà. Non, mais je vais y arriver, les filles. Hein. Alors, j'en vois déjà qui doivent être morts de rire. Voilà. Bon, c'est pas grave. Oh là là. Oh là là là. Bon. Eh bien, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est. Voilà. Bon, hein. Bon, un. Je regarde ce que des fois, moi, je passe des trucs dedans. Je regarde pas le journal, Mickey, parce que les nouvelles, il y en a ras-le-bol. Oh là 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 là. Alors, sans le savoir, Mickey, tu es tombé sur mes préférés. Bounty, j'aime pas trop. Les Mars, j'aime pas trop. Mais alors, les Twix, avec le petit craquant et le caramel, c'est que du bonheur. Bon, ben voilà. Fritella Garden Fruit. Alors, ça, c'est pareil. Fruits, sap, jute. Alors, ça, c'est trop bon. Mon mari va arriver là. Il va dire, non, mais Sylvie, j'y crois pas. Ah, oh, t'exagères. Mickey. Alors, confit de canard, foie gras de canard, terrine de canard. J'adore. Voilà. Nutella. Alors, je vais le garder, Mickey, ça. Je vais garder. Non, je vais manger ce qu'il y a à l'intérieur, Mickey, mais je vais garder tout ce qu'il y a dedans. Délices de tomates séchées. Alors, ça, pour l'apéro, sur des petits. Sur des petits toasts grillés. Oh là là, c'est. Merci, Mickey. Moi, je t'ai pas mis trop de confiserie. Je t'ai fait plus voilà, de choses. Ah, j'étais prête à retirer le carton. Alors, je vais retirer tout ça. Je regarde si t'as rien caché parce que moi, pour pas que ça casse, je cache dans les coins et je mets dans les coins. Alors, je vais d'abord regarder la petite carte. Alors, c'est trop génial. La petite caravane vacances, c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, t'as les mêmes petites cartes de craft. Je pense que c'est chez Action, hein, Mickey. Voilà. Ah, c'est trop mignon. La petite caravane. Oh là là. Coucou Sylvie, voilà
comme promis, mon défi d'été de Coco. Je suis désolée parce que ça ne semble pas être. Mais alors, Mickey, je t'ai dit par mail que franchement, je m'en fiche, mais complètement, j'adore tout ce que mes abonnés me font et m'envoient. Le défi, tu fais ce que tu avais envie de faire, voilà. Que ça soit du vintage, que ça soit du shabby, que ça soit du girly, que ça soit. Franchement, c'est pas du tout. Alors, je vais vous parler, voilà. Franchement, c'est. On s'en fiche, quoi. C'est le partage, c'est le bonheur de recevoir, c'est le bonheur d'envoyer, c'est le bonheur de donner. Et voilà. Et je pense qu'il ne faut pas vous arrêter à des choses comme ça. En fait. Moi, quand je reçois, que ce soit, voilà, shabby, girly, on s'en fiche, quoi. Ta carte est juste magnifique, voilà, c'est un peu vintage. Et alors, tu sais, moi, le vintage, j'aime beaucoup, hein, moi, j'arrête pas de casser les pieds à mon mari, mais bon, je pourrais pas. Vous savez, les espèces de petites camionnettes qu'on avait dans les années 80, là, avec Peace and Love dessus, les fleurs et tout. Voilà, moi, c'est mon truc. Moi, je suis très colorée parce que je suis très. Voilà, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qu'on ne voit pas chez les gens. Voilà. Mais le reste, j'aime bien. Voilà, mon mari est très. Très moto Harley Davidson et tout. Ben voilà, c'est. Voilà. Et je trouve que. Voilà, faut pas s'arrêter sur des choses comme ça. Alors, je suis désolée. Non, on s'en fiche de ça. Je regarde même pas. J'ai laissé les premiers embellissements que j'avais faits dans des couleurs vives. Moins facile avec le vintage de respecter le thème vacances. Bah si, tu aurais pu faire un thème vacances vintage, mais j'ai fait au mieux. Non, mais ça sera super. Pas respecter non plus la boîte. On s'en fout. J'avais plus envie de ce portfolio. Je n'ai pas. Plus décorer la couverture, on s'en fiche, tu le feras si tu penses t'en servir. Mais bien sûr que je m'en servirai. J'espère que le reste de cet échange te plaira. Merci à toi pour ta gentillesse. Passe un bel été. Merci à toi aussi, Mickey, pour ta gentillesse. Tu l'auras compris, le souvenir est compliqué lorsqu'on ne connaît pas la personne. Du coup, j'ai voté pour les spécialités alimentaires de ma région. Bonne dégustation. Merci, Mickey. Mais on apprendra à se connaître. Voilà. On apprendra à se connaître. Alors là, j'ai une petite enveloppe. Je vous montre. Toute bleue. J'ai les mêmes. Ah mon Dieu, il faut rigoler. Ah, c'est joli. Ah, mais je connais. Je connais, je connais, je connais, je connais, je connais. Val-de-Garonne. Maison à colombage, Marmande, maison d'angle à colombage, terre de Garonne. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est très joli. Et il y a un petit pour mettre sur le frigo, bienvenue en Val de Garonne. Alors, tu m'as mis un petit mot. Joli dessin de certaines de nos rues. Briquette typique de nos régions, Marmande, capitale de la tomate. Dit-on ici, je vis ici depuis 22 ans et j'y suis très heureuse. J'ai ouvert un magasin bio il y a 20 ans. Ok. Que j'ai fermé il y a un an maintenant. La mer à 2 heures, les montagnes à 2 heures. Alors nous ici, on a les montagnes, le Vercors à 1h30 et on a le Gros du Roi, tout ça, qui sont à 2h30, 3h, c'est pareil. Ah, La Rochelle, c'est magnifique. Ah, ben, je vais garder dans mes cartes postales. J'ai toutes les cartes postales de mes. Mais tu m'as pas mis ton. Mickey, tu m'as pas mis ni ton adresse. Ben, j'espère que je l'ai sur la boîte parce que j'ai rien du tout. Attendez, je regarde sans vous montrer. Et ouais. Alors attendez, parce que vous savez, la quiche, comme je le dis souvent,
La quiche, la tête de linotte, elle ne va plus y penser. Hop, 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 le carton. Excusez-moi, je fais comme chez moi. Hop, je découpe l'adresse de Nikki. Hop, voilà. Je fais comme chez moi, hein. Je suis là. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai mis avec la... Avec ton enveloppe, Nikki. Alors. Déjà, le papier rose, ah non, mais c'est trop beau. C'est trop joli. Non, non, c'est très joli, Nikki. Bon, les filles, je vous rebascule. Attention, il va y avoir une grande vague. Vous avez mal au cœur. Hop. Non, c'est joli, j'adore. Puis alors, moi, pour défaire ça, je suis toujours la reine des quiches. Voilà. Hop, on tourne. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le papier, là, il est trop beau avec les papillons. J'adore. Ah, c'est trop original, ça. Des morceaux de papier et un petit bouton cousu dessus. Je sais pas si vous voyez, regardez. C'est trop mimi. Ah, mais ça, c'est moi. Alors ça, Nikki, ça, j'en fais avec des pages de livres. Je ne sais pas si tu as vu, mais énormément. Voilà. Donc ça, je vais le garder pour mettre dans mon junk. Je vous dis toujours que je vais faire un junk, mais il faut que je m'y attache. Si vous saviez toute la récup que j'ai fait, mon Dieu, ça, c'est très joli. C'est très beau, le soleil. Non, non, c'est très joli, j'adore. De toute façon, j'aime tout, donc... Vous avez dû le voir. Hein. Tous ceux qui me suivent déjà depuis. Hop, je vais remettre ça. J'ai plein de petits tags. Oh, ils sont trop beaux, des petits tags avec des petites valises. J'espère que vous voyez. Parce que nous, il y a du soleil, mais mon mari, il a mis le. Il a mis le. Eh, le papier derrière, il est trop beau. Je veux bien, Mickey, que tu me dises où est-ce que tu as trouvé ce papier-là. Ah, c'est un petit carnet. Mais c'est mignon comme tout. Je vais mettre dans mon junk. Ah, c'est très joli. Je remets là. Hop, le petit carnet. La petite enveloppe qui est coincée en haut. J'ouvre une petite enveloppe et t'as mis du papier livre, ah, c'est super. Des petits timbres, ah, j'adore. Le papier livre, alors là, tu pouvais pas me faire plus plaisir que ça. Hein. Alors, on ouvre, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Je vous rapproche. Alors, on a plein de petits... de petites fleurs, en fait. Ça, c'est des petites pochettes. Ah, c'est mignon comme tout. C'est des petites pochettes faites avec, vous savez, les papiers qui sont tout fins. Encore du livre. Ah, ben voilà. Voilà, ça, tu pouvais pas me faire plus plaisir que ça. J'adore. Bon, ceux qui me connaissent, hein, voilà, ceux qui disent, ah ben celle-là, elle dit toujours, j'adore, bah ouais, j'adore, merci, papier livre encore, super. Génial, avec plein de petites pochettes. Bien, c'est trop mimi. Et puis de la récup aussi, elle a fait Mickey avec les petits bouts de là ici, les petits morceaux de tissu. Je vais remettre dedans sans rien abîmer. Je vais mettre par derrière comme ça, je ferai pas de bêtises. Voilà. J'aime bien ton petit ta petite enveloppe. Je regarderai pour la refaire. Non, je vais regarder pour la... Ah, mais il y en a encore là. Oh là là. C'est trop bien. Ah, c'est marrant. C'est quoi que tu as fait? C'est des petits...
T'as récupéré les sachets de thé. Ah, ça, je vais m'en servir pour les albums, les petits tamponnages. Mais c'est trop génial. Les sachets de thé récupèrent des sachets de thé pour faire des pochettes pour mettre des choses dedans. Eh ben, d'où tintamarre de plantes en Réunion. Moi aussi, j'ai une boutique avec du bio, produits régionaux, Mickey, dans mon restaurant. Le petit maillot de bain. Je vends du thé bio aussi, Clipper. Ah, mais c'est génial ça! Vous êtes toujours là? Oui. Des petites chaises longues. Regardez. Trop mimi. Trop mignon, mignon. Ah, mais c'est pas bête ça! Pour mettre dans un junk. Non, mais je vais le faire un jour, mon junk. Hein. J'ai un sac entier de papier de boulanger, de la boucherie, de tout. Banana, so fun. Ah, mais là, t'as dû vraiment. Là, elle a fait des petites pochettes. Je le connais, ce papier. C'est du petit papier. Ah là là. C'est trop mimi, il y en a partout. Vous savez, c'est comme si on était à Noël. Ah, mais il y en a de cachés là. Ah, mais il y en a de cachés là. Ça, c'est pareil, c'est des fleurs faites avec de la récup. Quand on a des petits morceaux de papier. C'est des petites pétales pliées en deux. Ah, c'est marrant comment c'est fait. Je regarderai comment c'est fait. C'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. Mickey, je voudrais. Voilà, je veux bien que tu me dises où est-ce que tu as. Ah, mais il y en a encore là. Attendez, les filles. Je vous l'ai dit, c'est comme à Noël, c'est pareil. Il y en a des cachets partout. C'est quoi ça? J'allais dire une bêtise, les filles, mais je pense pas que je puisse. Je pense pas que je puisse le dire sur la vidéo. Alors, je vais vous dire. Ah, mais parce qu'il faut qu'on rigole aussi un petit peu quand même. Hein. C'est pas qu'une ouverture. Voilà. C'est un partage. Mickey m'envoie des choses. C'est super. Écoutez. Alors, vous savez que je prends des médicaments pour la douleur. Non, je peux pas le dire. Non, c'est pas possible. Je peux pas le dire. C'est impossible. Mickey. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a du pour apaiser mes douleurs? Non, mais c'est une plaisanterie, je rigole, ah là là. Tous ceux qui vont dire, ah, mais non, non, mais je rigole, on rigole. Voilà. Je l'ouvre. Mon mari serait là et dirait, mais t'es complètement ravagée. Bon, comme d'hab. Hein. J'en vois derrière déjà qui sont en train de se fendre la pêche. Non, mais attendez, les filles, je l'ouvre. J'arrive à l'ouvrir. Je vous montre ou je vous montre pas. Ou je vous montre à la fin, si vous voulez. Allez, je vous montre. Et en plus, ça tombe bien, Mickey, parce que j'en avais pas de sequins. Regardez, c'est des petits sequins. Eh non, ça se fume pas. Ah, c'est gentil. En plus, la couleur, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est. Bah, t'as dû voir tout ce qui est orange et tout ça. Ah, c'est mignon. Dans des petites pochettes comme ça. Attendez, j'irai plus vite en faisant ça. Hop. Oh mon Dieu. Bon, faut bien rire, hein, de temps en temps. Et là, c'est quoi? Non, ça fait pas de bruit. Je voudrais pas abîmer la pochette, mais ton washi, il tient drôlement bien. Hein. C'est pas du washi, si. Ah, tiens ou pas? Ah, c'est quoi? Ah, j'espère que c'est des fausses.
Oui. Ouais, c'est des fausses. C'est des fausses, j'espère, Mickey. Hein. Attends, je sens. Oui. J'espère que c'est des fausses. Si c'est des vrais. Non, non, pas des vrais. Non, ça va être des fausses. Tu me diras, Mickey, si c'est des vrais ou des fausses. Bon, après, si c'est des fausses, c'est pas grave. Hein. Elles sont tombées, on les a pas arrachées. Hein. Et c'est des plumes de quoi? Tu m'as pas marqué ce que c'était comme plume? Tu me diras. Je vais pas les remettre dedans parce que je vais les abîmer. Il y en a, ils ont des reflets couleur orangée. Je vais les ranger avec mes plumes. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Je vais les ranger avec mes plumes colorées. Voilà. Bon, donc du coup, je pense que c'est bon. On a tout ouvert. Il n'y en a plus. Il y en avait là. 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 C'est bon, il n'y a plus rien. Voilà. On a tout fait. On a tout vu. Eh bien, je vais remettre ça ici. Le temps que je trouve un petit pot pour le mettre dedans. Ça me plaît beaucoup. J'ai pas besoin du tout de le décorer. Absolument pas. Voilà. Je vais le garder comme toutes les petites choses que j'ai. Voilà, j'ai tout. J'ai tout d'accroché. Je ne sais pas si je peux vous monter bien haut. Non. Vous n'allez pas voir. Hop, hop, hop. Est-ce que vous allez voir? J'ai tout d'accroché en haut. Les petites cartes. Non, vous n'allez pas voir. Je vous fais faire des tours et des machins aujourd'hui. Voilà, j'ai toutes mes petites cartes. Je ne vais pas les décoller, qui sont accrochées. Hop. J'avais juste pour toi une petite carte orange comme ça, qui est accrochée dans ma scrap room. Tout est accroché. Hein. Détente sucrée, envoyée par Scraproro. Voilà. C'est accroché. Un petit ATC, il est accroché dans ma scrap room. J'ai un petit cœur, j'ai plein de choses. Tout est là, donc du coup, ça va rester dans ma scrap room. Alors, les filles, si vous en voulez, eh ben, je partage pas. Vous n'en aurez pas. Ceux-là, ben, vous les aurez pas non plus. Tant pis pour vous. Alors, ça, encore moins. Tiens, Scraproro, t'es tombé. Faut que je te remette du scotch. Voilà, je l'ai raccroché. Ça, ben, on va le manger ce soir avec mon mari. Et puis, ben, du coup, Mickey, tu nous obliges à prendre l'apéro. Voilà. Donc, je trouve que c'est génial cet échange. Je trouve ça super. C'est la première fois que je faisais un défi comme ça pour l'été. J'espère que ce que je t'ai envoyé t'a plu. Bon, tu m'as envoyé un mail en me disant que ça t'avait plu et que voilà, je t'ai fait plein de petits goodies. Voilà. Qu'on soit débutant ou qu'on soit plus averti, je sais pas comment on dit, voilà. Tiens, ça aussi, c'est une petite abonnée qui me l'avait envoyé. Je crois que c'est Roxane. Je sais plus qui m'avait envoyé. Vous n'allez pas le voir, mais je peux pas vous le montrer. C'est une petite cage faite avec des perles. Voilà. Là, j'ai un petit timbre. J'en ai partout qui a été envoyé aussi. Voilà, donc je mets tout dans ma scrap room. Donc voilà, je te remercie beaucoup, je te fais plein de bisous. Là, vous êtes carrément de travers, c'est pas grave. Hop, 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 aujourd'hui, il y avait la tempête. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je suis en train de réfléchir pour le... Je sais pas si c'est un concours ou un défi, j'en sais rien, pour mes 700 abonnés, mais je voudrais un truc un peu sympa qui sort de l'ordinaire, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Passez de super vacances. Il reste plus beaucoup pour les vacances. Voilà. Et puis, c'était que du bonheur. Voilà. Je vais vous montrer celui-là. Vous en voulez un? Non, vous l'aurez pas. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Merci encore, Mickey. Et belle rencontre. Et je te fais plein de bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.